Donc avant, je vais repasser quand même à la salle de sauvegarde pour me régénérer. Hein. De toute façon, je compte pas spécialement faire une collection des veines sacrées. Hein. Putain, level soup. Il va me falloir des levels là, hein, ici, donc c'est pour ça que je suis level combien déjà? 32. Ouais, il va m'en falloir encore. Si vous voulez une estimation à peu près de la fin du jeu, j'estime que je serai level 43 vers la fin du jeu. Pour vous donner une idée. Bon après, ça peut être 40, enfin tout, dans tous les cas, ça dépassera 40. Après, on a également, donc là on va faire une autre zone. Après il y en aura encore une. Ouais, après il nous restera trois zones et on sera à la fin du jeu, enfin à la fin du jeu scénaristiquement. Après il va falloir que je fasse toutes les zones à 100% pour vous les montrer. Donc il y a quand même encore 8 vidéos hein. Ouais, donc là, j'estime aussi qu'il doit rester plus d'une dizaine de vidéos pour que j'ai fini le jeu. Mais bon, ces dizaines de vidéos, il faut que je les fasse. Bon, c'est pas grave. J'avais pas forcément besoin de... veines sacrées. Après, il va falloir aussi que je retrouve tous les PV max up. Bon, même si j'en ai pas mal. Les 4 PV bêtement. Encore, je me suis pris que 4 PV avec des monstres comme ça, quand même. Bon, même si j'ai 5 niveaux de plus. Mais bon, on va dire que 5 niveaux, c'est pas terrible. Hein. C'est pas ça que je voulais faire. Utiliser Barn. Après on va changer en fée et après on va revenir en démon de combat. Voilà, ça c'est bon. Ah oui, d'ailleurs vous pouvez récupérer aussi maintenant que j'ai le... j'ai pas fait. Bon, je ferai une autre fois. Vers dans cette zone-ci me semble. Ouais, c'est vers là en fait, il y a un coin pour récupérer un PV max-up grâce à la technique du démon. Mais bon là, maintenant que je me suis engagé... Enfin, de toute façon, je pense que j'ai assez de points de vie. Bon, on se fera une autre fois. Là, je vais être gentil, vu que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu le jeu, je vais continuer à avancer. Merde, c'est pas ça que je voulais que tu fasses. Enfin, du moins, je me suis bourré de boutons. Un acide damas, ce qui est pas mauvais. Et maintenant, on va retourner en combat. C'est vrai que ça fait bizarre de revenir sur un jeu PS2 après avoir fait quelques jeux PS3. Maintenant on est dans les ruines d'Eulon. Donc nous avons des soldats squelettes de niveau je sais pas combien, j'ai pas vu. On va peut-être le voir. 18, donc franchement ils sont pas forts. Je me suis dit franchement ils sont pas forts, mais bon, ils auraient pu mettre des squelettes de meilleur niveau pour gagner plus de points d'XP. Le taux d'objet, je crois qu'il augmente pas en fonction des du niveau de l'ennemi. Pareil. Donc, si vous voulez faire du drop, c'est quand même mieux de se battre contre des ennemis de haut niveau. Bon, et en même temps, ça fait économiser le bestiaire. Hein. Je trouve que sans le système de niveau, le jeu aurait été incroyablement vide. Au niveau des ennemis. Parce que bon, faut dire que Curse of Darkness revient un peu à la... sur RPG, contrairement à Element of Innocence. Dans Element, on n'a pas de niveau. Enfin, votre personnage n'a pas de niveau. Donc bon, il a toujours l'équipement, il a toujours des points de vie, des points de magie, etc. Mais il n'a pas de level up. Mais bon, ça veut pas dire forcément que votre personnage n'évolue pas. Puis là, je trouve que franchement, niveau zone,
c'est beaucoup plus rempli que dans Element of Innocence, parce que dans Element of Innocence, si vous voyez, bon, à la manière, si vous voulez, des... dans les Warp Zone d'un Crash Bandicoot. Parce que je veux dire par là, c'est des... par exemple, vous avez 5 curseurs, et en fonction du curseur vous appuyez, vous avez une zone différente. Bon, là, faut dire, il y a eu beaucoup plus que 5 zones, hein. Donc là, on va continuer. Alors, nous avons de nouveaux ennemis, il me semble, ou pas encore. Vous voyez, le jeu, quand je le connais vraiment plus, vu que ça fait assez longtemps que j'y joue, enfin assez longtemps, vu que ça faisait assez longtemps que j'ai plus joué du tout, voilà. J'aurais bien aimé qu'il se reçoive des dégâts vu qu'il s'est cramé dessus, hein. Petit nécromancien, oui, ça c'est un nécromancien, c'est pas un magicien. Donc ici il n'y a pas de difficulté vu mon niveau, hein. Alors je vais essayer de voler le mort-vivant après. Ouais, pas terrible. Les morts vivants, bon, si je vous ai pas parlé d'eux, ils ont une attaque en piqué contrairement aux soldats squelettes. Bon, après, c'est les. C'est le même type d'ennemis. Vous voyez, franchement, quand vous avez un bon level, quand vous voulez des ennemis, vous n'avez pas de soucis sur eux, hein. C'est encore plus simple qu'un beat'em all, hein. Mais c'est vrai qu'il est... il est vraiment simple comme jeu. Il n'y a pas vraiment de réelle difficulté. Sinon, si vous avez une réelle difficulté sur le jeu, c'est que vous avez mal... vous n'avez pas un très bon équipement. Alors... pardon. Et je me suis enrhumé à force de parler, que c'est génial. Voilà ce que je voulais pas faire. C'est marrant, on voit quand même l'objet de l'autre bout de la salle, c'est du marqué, c'est... j'ai jamais fait gaffe ça. Enfin, ça m'est jamais arrivé surtout. Au moins, contrairement à certains jeux, les objets ne disparaissent pas dès qu'on quitte la salle. Ça au moins j'adore, c'est un jeu qui est un peu intelligent. Bon, alors d'ailleurs pour info, si vous entendez un peu d'écho, bon, c'est disons que j'ai pas vraiment la musique du jeu dans le casque, et donc du coup ben j'espère que ça le fera pas, enfin, je vous le dis si ça arrive, hein, mais bon, je vais tout faire pour que ça le fera pas, hein. Et c'est vrai que maintenant il va falloir que je me remette à faire des vidéos. Que bon, va falloir un peu que je me décide de refaire FF2 et les donjons annexes de Eternal Sanata, mais bon, ça ça de toute façon, bah, ce sera, va dire, dans je pense dans un mois et demi j'aurai plus de temps pour filmer, donc bon. En attendant, vous aurez une vidéo tous les deux jours. Mais bon, je vous garantis pas tous les jours. Voilà pour la petite info. Et aussi que j'espère que ce Wakfu... bah non, que... enfin oui, que j'espère que ces vidéos vous plaisent. En attendant de Crash Bandicoot 3 que je fais avec Léon. Bon, au moins ça change un peu du RPG typique, hein. Ouais, si vous avez marre, si vous avez vraiment marre de me voir sur des RPG, bah, vous avez qu'à voir Crash Bandicoot 3. Comme ça, vous me verrez sur un autre type de jeu. Et en plus, on dit des conneries dessus. C'est marrant, c'est lol.
Rosario. Est-ce qu'il est mort? Il est mort, c'est bon. C'est vrai que sur des zombies assassins, les Rosario, c'est pas les meilleurs ennemis sur qui les utiliser, parce que vu qu'ils rentrent dans le sol, on peut pas les atteindre. Les effets de Rosario les affectent pas. Allez, je vais mettre mon démon en auto. J'en ai pas beaucoup d'assez indigo maintenant que j'y pense. Et on a encore. Là, je me demande quand peut-être qu'elle va se finir, ça heurte parce que bon, je vous parle un peu, mais. Voilà, c'est fini. Maintenant, la porte est ouverte. Ah non. Ouais, bon, elle est ouverte, mais on va se faire encore quelques. Faut que je récupère du niveau. Voilà, nouvelle. 35. 34. Le prochain sera 35 et ce sera vraiment le prochain niveau. Il me semblait que je l'avais mis en auto. Bon ben on va le mettre en auto. Ça. Pour profiter un peu de ses capacités. Et il y a vraiment une surblinde d'ennemis ici. Bon. En même temps, ça fera plein. Ça fait plein de points d'XP. C'est. Faut dire que les points d'XP. Je dis pas non. Et même pour un jeu d'action comme celui-ci, il y en a besoin. Voilà. Enfin, donc. Alors, voyons voir ce que je peux faire avec mes acier indigo. Je peux rien faire. Je peux. Casque à fente, il me faudrait acide damas. Ok, donc casque à fente, il me faut casque gallois. Casque gallois, il me faut casque de cuir. Vous voyez, c'est le vrai bordel. Il me faut casque à fente. Voilà, et j'ai tout ce qu'il me faut pour faire une bourguignotte. Tout ça pour que ça augmente de 2 la défense, mais bon, on va dire 2 de défense c'est toujours utile hein, parce que c'est un des castles en fait où il y a le moins de points de vie, de ouais, notamment points de vie en fait, parce que normalement sur ma partie, bon pour info, sur ma partie de Donosoro, je suis niveau 44, j'ai plus de 600 de vie. Là je suis niveau 33 hein. 34, voilà. Mais bon, faut dire qu'en même temps, on passe de la 2D à 3D, donc on a beaucoup plus de possibilités d'esquive. Donc, on va utiliser une potion. Mais il faut dire qu'en contrepartie, les points de défense et les points d'attaque aident vachement. Je sais pas pourquoi il a voulu attaquer, mais bon, c'est un peu bizarre. Alors maintenant, nous avons des démons, démons éclair, démons tonnerre. Eux également à voler les djinns. Ils ont des frénésies du vent, mais je ne sais plus comment exactement les voler. Bon, on verra ça une autre fois quand je ferai une vidéo farming. Et les démons tonnerres à voler, il me semble qu'ils ont juste de l'argent. Ou alors, enfin, en tout cas, ils n'ont pas d'objet super utile. Contrairement aux démons du feu, où là, ils ont vraiment des phlogistiques sur eux. Alors, maintenant. Ouais, c'est ici. On va regarder. Il me semble qu'il y a un endroit qu'on peut aller. Ouais, mais en fait, il y a deux portes. Ah, mais non, c'est celle d'où je viens, ça, d'accord. Voilà, comme ça, le petit griff.
Donc maintenant nous avons des sprinters armure. Donc ce sont en fait des pas des wargs. Ben, vous avez vu des chiens en fait avec des armures, dont ça de la défense beaucoup plus élevée. Et là j'ai mon niveau 35. Vous voyez, comme je... pourquoi je dis pas de conneries. Et pour les voler en fait, cela c'est assez aléatoire. Pour ça il va falloir la garde du démon combat. Et en fait au bout d'un moment, à force de taper en fait son bouclier, donc j'y vraiment à force, il va être stun et c'est à ce moment là qu'on pourra le voler. C'est disons la seule technique que j'ai vraiment trouvé contre cela. Enfin bon, si vous en avez d'autres de techniques, vous pouvez très bien me le dire hein, via les commentaires. Même si le jeu vous saoule un peu hein. Enfin j'espère pas du moins. Un anneau du tonnerre, on pouvait dropper ça. Je savais plus qu'on pouvait dropper ça, mais tant mieux. Bon, si vous avez besoin de farmer des moutonnerres, vous mettez ces anneaux et vous pouvez les farmer ou les voler. C'est pas compliqué. Alors. Ah, attends. Bon, enfin, c'est pas grave, il y a du céramique. Puisque les snipers rapides, maintenant, je crois pas qu'on les a vus. Bah, c'est les ennemis qui lâchent le plus facilement des céramiques. Derrière, voyons voir ce que je peux faire avec des acides rouges. Ok, rien. Ah, céramique, justement, j'ai bien fait de faire cette armure pour avoir le casque emblème et je peux rien faire d'autre. Encore un céramique. Vous voyez, franchement, les céramiques, c'est super facile d'en avoir. Voilà, si on dort. Je sais plus combien j'ai de pièces. Mais bon, de toute façon, pour les pièces. Oula, oula. Pour les pièces, il y a des façons faciles d'en avoir à la fin du jeu. Vous voyez, soit vous fermez des céramiques ou des aciers rouges. Enfin, ou des aciers en tout cas, vous faites des tas d'armures et après vous les rendez. Bon, enfin. Donc ici, nous revenons full vie. Et nous continuons notre petit chemin. Il y a un peu de monstres qui ont pris pop. Voyez, céramique, ça va vraiment très vite. Alors j'espère que je vais pouvoir vous montrer la petite zone. On peut utiliser une technique de démon mage pour libérer un chemin. Oula. Oh, à mon avis, j'ai dû passer. Enfin, c'est pas grave. Alors. On va utiliser. On se met là et on va péter tout ce qui est canon. J'espère que je vais pouvoir vite le péter. C'est bon. Ouais, cette zone là, elle est un peu hard. Enfin, c'est pas vraiment qu'elle est super difficile, mais c'est qu'elle est juste. Mais bon, c'est vrai que une phase en canon, c'est pas super. Même si ça change, je dirais que c'est vachement bon comme phase. Alors, nous avons toujours des cavaliers. Ouais, ça faisait un petit moment, les cavaliers de... Ouais,
cela qui lâche des écailles de dragon. Alors, est-ce que c'est pas ici au final que je pourrais utiliser? Non, ce n'est pas ici. Franchement, je sais plus où c'est cette zone où on peut utiliser des lianes. Mais je sais que c'est dans le coin, ça j'en suis sûr persuadé. Alors, qu'avons-nous dans cette salle? Vu que c'est fermé, nous avons des cavaliers dragons co-squelettes. Alors franchement, la technique du... Je vais reprendre plus. La technique du G2, du corset est idéale. Bon, là par contre, va falloir que je fasse gaffe sur ma vie. Est-ce que c'est pas... Non, ce n'est pas ici.